Une salle de spectacle grandiose, l'Accor Hotel Arena, pour un chanteur immortel. Après Toulouse, Paris aussi avait envie d'un lieu au nom de Johnny. Et c'est cette esplanade au pied de l'Accor Hotel Arena, à Bercy, qui devrait être choisie. Une initiative saluée par les Parisiens. Je pense que c'est une bonne chose, du fait qu'il a fait une centaine de concerts ici même, à Bercy. C'est un patrimoine de la France et je pense que je pense qu'il est assez connu pour qu'on puisse mettre son nom justement à cet édifice. C'est important qu'il ait, je pense, une place ou même une rue qui symbolise en tout cas le fait que quand même il a fait voyager la musique française, quand même c'est pas n'importe qui, c'est normal je pense. La salle est indissociable de la carrière de Johnny Hallyday. Il s'y est produit plus de 100 fois et plus d'un million de spectateurs l'y ont vu en concert. À terme, la mairie de Paris aimerait qu'une statue du rocker accompagne la plaque, mais cela ne sera possible qu'avec l'accord de la famille.